Ah oui, c'est bon, ça marche. Non, c'est le micro. Ah, forcément. Bon, et eh bien écoutez, salut à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la liste et j'espère que je puisse lancer un combat. Ce serait fort bien urbain. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques parce que. Ok, c'est bon. Parce que mon logiciel qui recorde mon écran a quelques petits problèmes techniques de type encodage en surcharge, mais bon, je crois que ça s'est plus ou moins stabilisé. Là, c'est juste, mon jeu qui n'en peut plus, mais globalement, on s'en sort. Ok. Ah, si on ne va pas réussir à lancer des outils, je pense. Pas de problème, on va éviter tout ça. Joen, ah oui, j'ai cliqué sur un. Oui, ah, c'est un petit problème technique ça. Bon, comme ça, tout va bien. Je fais une. Je fais doublement ma signature de m'attaquer à quelqu'un qui convenait pas du tout. Bah, écoutez, Bon, au moins, vous savez vous êtes au bon endroit. Et globalement, on s'en sort. Hein. Alors, Izuna, ah oui, ok, il y a un peu beaucoup de chiffres là. Hein. Le chiffre, il est un peu trop grand là. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Ouais. Bon, ah oui, c'est vrai que. Bon, au pire, passons. Quoi qu'il en soit, les deux combats seront assez rapides. Alors, la seule problème que j'ai vis-à-vis de ça, c'est qu'on va devoir attendre 25 secondes, les 25 secondes réglementaires évidemment, qui vont tomber à peu près au même moment. Bon. Écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, je regarde 2 petites secondes ça. Ouais. Ok. Bon. Échec. Ok, note. Le compte de Sion va être un peu plus libéré, donc normalement, j'ai mis le son du jeu à gauche. Si c'est à droite, je m'en excuse. Normalement, ça devrait fonctionner de cette manière. Donc, Hisoka. Naruto Six Pass. Ouais, je sais pas, je le sens, moi il y a un Gradex, c'est un membre de groupe, donc on va essayer de l'affronter. Le bon Seb, peut-être. Bon, c'est pas Seb. Si, c'est Seb. Non, pas du tout. Pas du tout, pourtant, ok. Pour quelqu'un avec un code postal, en général, c'était le bon Seb. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Seb. Et écoutez, c'est très bien. Ok, nickel. Alors, Escan, c'est quelqu'un qui a 4 fois ma combativité, donc on va peut-être se trouver un adversaire un peu plus à notre portée. Okay, bon, on utilise la stratégie de cliquer dans le tas. Ici on en trouvera sur Tomoga. Tomoga. je confonds tout le monde. Bon bah écoutez, ça c'est normal. Ça c'est une de mes autres combats spécialités bien sûr. Voilà. Puissance bien sûr, ok. Mettre la barrière, ça sera bien. Alors Ibarra. Sanin Ibarra, il fut un temps où c'était une combativité, un adversaire de ma combativité, je sais pas trop. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais plus. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui rimaient ou quoi dans tous les sens. En tout cas, j'avais. Précédemment, j'avais.
J'avais quelques. Le combat, il y avait un combat, quoi. Il y avait un match, c'était intense. Donc on verra bien. Ah oui, c'est-à-dire que. Okay. Non, mais ouais, y a pas de problème. Hein. Y a absolument aucun problème. Ok, le fait d'avoir mis des clones partout comme ça dans tous les sens, il essaye de brouiller les pistes, je pense. Et au final, il joue. Ah, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce genre de disposition. Un petit peu. Les 4 comme ça. Ok. Mais avec les clones, je sais pas, ça avait du sens, il y avait des clones partout, etc. Il n'y avait pas véritablement de personnes à protéger, tandis que là, Kefi, le clone, il s'est mis sur la dernière ligne, par exemple, pour éviter que, enfin, que c'est uniquement ceux de la dernière ligne puissent le taper. Il a protégé un maximum la Tsunade qui est assez de. Enfin, qui est la plus difficile d'accès lorsque vous attaquez uniquement une seule unité. Par exemple, plus personne n'attaque comme ça maintenant, mais. Ah oui, ok. Ok, bah et du coup celui des barrages, il est toujours chaud. Très bien. Bah, ça me convient. Bon, du coup on va se faire exploser, mais. Au pire. Hein. Est-ce qu'on est à une défaite de plus? Je ne pense pas. De toute façon, afin de progresser, il faut savoir rebondir d'une défaite, bien sûr. C'est les gens les plus forts, bien sûr. On a bon nombre, dès qu'il reçoit une défaite, ils abandonnent. Mais la vraie puissance, c'est de continuer malgré les moultes défaites, de persévérer dans l'espoir de faire mieux un jour. Donc oui, tout ça pour dire que, par exemple, oui, là, les compositions maintenant, on essaye de protéger à minima les ninjas, ou alors on se dit, ok, on essaye de décentraliser tout ça. C'est pour ça que la disposition là de l'autre joueur m'avait assez surprise. Un peu en carré comme ça. Hein. Ici, ben, espacé de une cage chacun. Ah bah. C'est pas ma liste, hein. C'est pas la liste de mon compte principal. Y a pas de problème. Et on va se faire one shot, bonjour. Donc là, circuler, gâchant, on va voir. Au revoir d'être venu, évidemment. On trouvera peut-être un adversaire à notre taille prochainement. On ne sait pas. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que oui. On verra bien. Oui, c'est vrai qu'on est à la problématique des Tsunade. Ah, oh, mais je comprends. Pour l'instant, je suis en train de percer les techniques du main vent pour Siandre. J'avais essayé ça sur mon compte principal et. Je pensais que Siandre quand elle allait faire ou quoi, etc. Puis au final, je me suis dit, bon, c'est quelque chose qu'il faut faire, il y a plein de. Pas d'embrouille à ce niveau, donc le coton essayer de les faire. Ah oui, mince, c'est vrai qu'il faut que je joue aussi. Parce que bon, je vous parle depuis tout à l'heure, mais ça fait pas vraiment avancer le truc en fait. Non, mais. Pas de problème. Bon, notre Sasori, il y a eu un petit problème technique, mais je pense qu'on va dire que c'est plus ou moins maîtrisé. Donc. Bon, je vais peut-être mettre sur dans le tour et puis je vais peut-être un peu plus me concentrer sur mon pont. Bon, le gros sur il peut se débrouiller tout seul comme un chef, mais oula, on a eu un problème d'équipe on a pas réussi à contrôler le Madara. Et donc du coup, bah ça va faire. Il va nous faire d'énormes dégâts, hein. Ça c'est une certitude, hein, puisque Cassius il a beaucoup plus de combatifs techniques. Et nous on a un autre problème technique à résoudre. C'est qu'il dispose d'une marine
Et les rimes, bah, c'est très bien dans votre équipe parce que ça réduit les dégâts des ultis. Donc je vais lui faire assez peu de dégâts avec mon ulti. Donc bon. Oui, dis donc. Mais quelque part, c'est plutôt intéressant de l'avoir lancé puisque je scale. C'est le plus important en réalité. C'est-à-dire que lorsque j'utilise mon ulti, j'augmente mon taijutsu et mon ninjutsu. Et donc au bout d'un moment ça va atteindre des valeurs où véritablement on va faire des dégâts. Et notre principale source de dégâts en fait là c'est nos attaques, puisque Grim nous bride totalement vis-à-vis des ultis, mais j'ai espoir qu'on ait assez suffisamment de dégâts un jour. Donc j'ai confiance. Alors faudra faire attention parce que. Si nous, au bout d'un moment, on va peut-être avoir assez de dégâts, c'est peut-être le cas de lui-même, hein, bien sûr. C'est-à-dire que, bah, s'il nous tue avant qu'on le tue, bon. Bah, du coup, dommage, en fait, donc, bon. Ok. Allez. On continue à stacker un peu le Nin. La véritable menace dans son équipe, c'est le Madara, hein, donc. Après, il faudra faire également extrêmement attention vis-à-vis de son Kekuzu parce qu'il suffit qu'il arrive à tuer mon Sasori, ce qui est compliqué et pour repartir à l'aventure évidemment comme assez facilement. Donc bon, un petit peu, bon, j'ai lancé un petit Sasori, c'est pas passé. En vrai, j'aurais pu attendre ou quoi, mais enfin, j'aurais pu attendre en vérité. Mais... La foule de la jeunesse, bien sûr. Ok, donc là, Rin est tombé. Donc, on va commencer à faire des dégâts assez convaincants avec notre ulti. Et il ne reste plus que le Kakuzu en face. Donc, là, là si tout se passe bien, normalement, on est pas mal. Allez, on va quitter la partie bas gauche. On va aller en haut, moustique non pas du tout, ok, du coup j'ai cliqué sur quelqu'un d'autre, 999, qui est en fait Star, qui a rename, donc, oula, ah oui, on va cutter ça, on va envoyer ça, on risque d'avoir, notre main vent risque d'avoir des problèmes techniques, oula, allez, il faut réussir à cuter le Kizabe évidemment qui empêche le Madara de lancer l'ulti autour d'eux, hein, bien sûr. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ouh, pop, 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 pop. Ok, ouais, bon, avec Xiandre, là c'est la difficulté. On va planter un petit chichu, bien sûr, mais il n'y a aucun moyen qu'on s'en sorte. Hein. Il a la première attaque, il a la combativité. Il a un gaï, si le gaï tombe, eh bien on meurt dans d'autres souffrances, donc. Normalement, si tout se passe bien, on est censé perdre, hein, bien sûr, mais. Le gars qui continue de travailler pour ça, pour bien sûr, à diminuer notre taux critique. Ça fait pas du bien. On se prend plein de crit et on fait moins de crit. Le cercle vicieux. Et du coup, on a de plus en plus de mal à tomber de Gaara. Et finalement, Star qui s'en sort. Okay. Allez, on envoie l'ulti. Autour d'eux. Ok, donc il y a Shuyu à côté, évidemment, ce n'est pas un manque de vie, donc c'est peut-être. Il va monter un petit coup là, comme ça, là. Sur le côté, comme ça, là. Ok, victoire du. Ok, ça faisait longtemps. Isoke Warrior, Duel, Mousti, ok. Beaucoup de membres de groupe. J'ai vu Krilo aussi, mais il a une grosse combativité, donc c'est pas intéressant qu'on essaye de l'affronter pour l'instant.
Enfin, je dis pour l'instant, mais en... Oui, ok, il y a Ishii qui est en train de rôder dans le... dans le tas, j'ai essayé plus ou moins de sniper le KKO Kid LOL, et c'est le cas. Okay, donc normalement, mon adversaire à notre portée peut gagner. Et lui aussi, j'imagine, donc on va essayer d'y aller, on va essayer d'y aller tranquillement. J'envoie la barre du Jiraiya parce que pourquoi pas. Alors, dispose du Trimagé. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se presse. Et on va quand même poser, empêcher le fait que le Tobirama arrive sur le terrain. Ça me semble assez important. Ça me semble assez important en réalité. Ok, Seb. Allez, on attend le tour 2 sur notre main. Ah voilà, on va pouvoir commencer à infliger quelques dégâts évidemment. On commence à imposer notre plan de jeu. Faudra qu'on fasse attention à Sharama au tour 3, cependant. Ah d'accord, okay, je m'attendais pas à faire autant de dégâts. Où, effectivement Hashirama du coup donc là il faut juste lancer les types du même feu un timing à peu près correct pour cut la Tsunade et maintenant on va essayer de tenir attaque pour que ça se passe bien. Enfin, je sais que mes positions sont positions 3 et 4 sont relativement frauduleuses hein. Au niveau de la première attaque, ce qui fait que je peux être dépassé par d'autres positions adverses hein, donc oula Cassius plus hein, évidemment ok ça fout le combat. Voilà on a réussi à cuter tout ça. On va prendre la variation de résistance parce que augmenter nos dégâts, c'est peut-être un peu audacieux. C'est peut-être un peu audacieux, donc on va peut-être le regretter. Ok, il y en a un autre en face. Et si on nous permet quelques petites folies quand même, la petite barrière du Jiraiya. Oula, mais. Ok. Allez, en avant. C'est parti. C'est parti, donc évidemment on compte un peu plus sur nos autos que d'habitude hein, contre Cassius, hein, comme je vous l'ai dit avec la présence de Saxine. Mais on ulti quand même, hein, ne serait-ce que pour infliger les quelques dégâts résiduels. Hein. Même si c'est à hauteur de 20% de la valeur de base, ça permet de monter l'attaque et le Ninjutsu de notre Madara, donc c'est quand même assez important. Donc il faut le faire quand même. C'est ce qui nous permet évidemment de faire de belles choses. C'était peut-être de voir qu'il peut-être avec un outil d'Itachi Edo on aura eu assez de dégâts, mais c'était comme ça. Allez, tour 3 en avant, c'est parti. Gradex, c'est un groupe. Qui es-tu, Udial? Ah non, c'est Engel. Ok. On a peut-être potentiellement le. Ouais, on a eu le timing pour faire ça. Ah, j'ai pas ciblé mon mindbomb. Bon, j'ai un peu sous-optimisé. Bon, j'espère que ça va pas coûter la victoire quand même. Mais bon, au bout d'un moment, on fait quand même de sacrés dégâts hein, sur les attaques normales. Le fait de diminuer le top crit, ça c'est vraiment. C'est la vie. Elle va cut tout, bien sûr. Ça permet de diminuer le taux de crit.
pense que c'est franchement pas mal. J'essaye de commencer quelques combos. Ah, on m'a agressé. Ah, Ify. Ify en mode agressif, évidemment. Avec, avec la team de. La team. La best team, hein, bien sûr. Okay. Finalement, c'était assez peu rapide. Il m'a envoyé un message, je crois. Répondre. Hop voilà. Ouais, Isoka. Alors, oui, c'est très bien. Aucun 1,2 million. Alors, je suis en train de regarder. Gratex. Ok, on va essayer de l'esquiver. C'est parfait. On a réussi à l'esquiver. Alors attendez, il y a Albator, il y a le main vent qui joue. Si c'est fait agresser, zut. Ok, je suis en train de faire des gauche-droite depuis tout à l'heure. Bon, j'utilise la technique de cliquer à peu près dans le tas, mais en fait, il n'y a pas d'adversaire. Moustique est toujours là, toujours présent. Donc évidemment, c'est en deux groupes, on va pas l'agresser. En plus, ce serait. Elle gagnera évidemment à tous les coups. Donc c'est pas peut-être pas forcément ce qu'on souhaite. Épique. Ah mince. J'essaie d'esquiver et finalement il a choisi l'agression. Ok. Contre un Orochimaru ça peut être un peu complexe mais. Évidemment le chichu qui est là pour tout casser. Étant donné qu'il a la première attaque, il faut que je lance le tir tout maintenant, je pense. Donc j'ai lancé Orochimaru pour. Enfin, sur Orochimaru pour éviter de l'invocation du Tobirama. Voilà, le Madara il est un peu scale là comme ça là. On va prendre une amération ouais, de résistance, je pense. Je pense. Ok, et finalement on a terminé, ok. Donc, sans doute sauvé par le gong, au niveau de. Au niveau de mon compte principal. Donc c'est plutôt cool. Ok, donc qui a gagné finalement c'est la grotte. Et bravo à eux. Et donc nous on est. on est troisième sur troisième pour pas écouter. C'est un peu dommage. Si on y a fini top 3 du camp, donc incroyable, donc le parchemin de saut du plaisir. Et sinon on est cinquième, donc plutôt pas mal on va dire. Ok. Au niveau du bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Ok, c'est très bien, très très bien. Ok, et au niveau de la grotte, ok. C'est vrai qu'il y avait pas mal de bondes au niveau de la grotte. Mais bon, après, tout est. Ouais. C'est full équilibré ou quoi, donc bon, il n'y a pas de problème. Bon, bah voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.